Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. 500 abonnés les amis. Et oui, j'ai passé la barre des 500 abonnés. Je suis très contente. Merci encore à vous de vous être abonnés à ma chaîne. Thank you very much for all new subscribers. Je vais arrêter, ce n'est pas le thème du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais vous présenter une recette que j'ai rapportée dans mes valises de mon voyage en Guadeloupe. J'en profite pour remercier Elisabeth qui m'a fait découvrir cette superbe recette. C'est une tarte au thon et à la morue que l'on peut déguster soit en apéritif ou bien en plat unique avec une bonne salade. Vous allez émoustiller les papilles de vos convives, c'est la gourmande Carole qui vous le dit. Vous voulez savoir comment faire cette recette rapide et toute simple? Vous me suivez, n'est-ce pas? Pour dessaler la morue, vous avez deux solutions. Soit comme moi, vous laissez tremper votre morue dans de l'eau froide la veille et vous changez de temps en temps l'eau afin de bien dessaler la morue. Ou alors, vous faites comme il est indiqué sur l'étiquette d'emballage. En 2h30, vous pouvez dessaler votre morue avec la technique de l'eau chaude. À vous de voir celle qui vous convient le mieux, celle qui est le plus pratique. Dans tous les cas, le plus important, c'est que votre morue soit dessalée, égouttée et séchée, qu'elle soit prête à être découpée. Une fois terminée, vous la mettez dans un plat et vous réservez au frais. Une boîte de thon, allez, peut-être même une deuxième, cela dépendra de votre moule. Ensuite, je prends une pincette, j'égoutte ma boîte et j'émiette mon thon. Allez, je rajoute la deuxième, c'est une petite boîte. Je joue à la gourmande jusqu'au bout. Il y a un petit peu plus d'eau et déjà bien émietté, donc je l'enlève et je vais laisser égoutter l'ensemble. Voici tous les ingrédients pour réaliser une pâte faite maison. Sinon, vous pouvez en acheter aussi une toute prête. Puis vous foncez le moule et vous le réservez au froid. Voici tous les ingrédients pour faire une bonne sauce béchamel maison, soit avec votre robot ou traditionnel à la casserole. Voilà le résultat, parce que moi j'ai utilisé mon robot, c'est plus rapide. Une botte de cive que je vais bien nettoyer. C'est le moment de préchauffer votre four. En fonction de celui-ci, vous préchauffez entre 170 et 180 degrés. Et pourquoi pas liker et vous abonner les amis? C'est le moment. C'est parti, donc je prends ma morue que je mélange avec mon thon. Puis j'ajoute la cive que je découpe. Un peu de partie blanche, un petit peu de partie verte. J'ajoute ma béchamel et je mélange bien le tout. C'est le moment pour ceux qui le désirent d'ajouter un petit peu de piment pour donner du peps. Et ensuite, on verse le tout dans notre moule. Ajoutez du gruyère râpé pour plus de gourmandise et gratiné. Allez, zou au four pendant 40 minutes. Attention! Youhou! On attend qu'il refroidisse avant de se jeter sur la dégustation. Ça y est, il est prêt. Je vais en découper un morceau pour vous montrer ce que cela donne. Regardez comme il est magnifique.
Ah bah oui, bah, le temps que je prenne la photo, il y a quelqu'un qui avait déjà dégusté. Super bon. Trop bon. J'y retourne. Excellent. Je vous l'avais dit, les amis, qu'elle était rapide et simple à faire. Et en plus, excellente. Oui, oui, excellente. En tout cas, c'est moi qui vous le dis. Mais si vous voulez être sûr que je ne vous mens pas, je vous invite rapidement à la tester, à me laisser un commentaire, à liker évidemment, à vous abonner. Et puis, à revenir la semaine prochaine pour découvrir une autre recette des îles. Et si on faisait des acras, miam! À tout bientôt, les amis!